Au cours de sa vie, Mireille Dumas a interviewé de nombreuses personnalités. Certaines d'entre elles sont devenues des proches ou des amies ES. Notamment l'humoriste Pierre Palmade, qui a tristement défrayé la chronique ces derniers mois. Elle vient d'évoquer leur relation dans une interview. Depuis plusieurs dizaines d'années, Mireille Dumas a confessé à la fois anonyme et personnalité. Au fil de ce temps, la journaliste et réalisatrice qui vient de fêter ses 70 ans, a noué des relations plus ou moins intimes avec elle. SN est ouverte à nos confrères de télé 2 semaines dans une interview cash. Dans celle-ci, elle commence par se confier sur le documentaire Les années Mireille Dumas qui sera diffusé le 29 septembre sur France 3, et évoque avec franchise son ami Pierre Palmade. Mireille Dumas, Pierre Palmade reste dans mon cœur non sans courage, la journaliste explique dans les colonnes de notre confrère qu'elle a souvent interviewé Pierre Palmade et qu'elle est très proche de lui depuis longtemps avant de déclarer « Pierre reste dans mon cœur ». Je ne peux pas lui tourner le dos. Quand on est ami, on reste ami. C'est un positionnement compliqué. Des propos qui tranchent avec la récente prise de parole de Muriel Robin sur RTL, « Je ne suis plus son ami. Je pense plus aux victimes qu'à Pierre Palmade » avait de son côté déclaré l'humoriste. Mireille Dumas, parmi les artistes, c'est Guy Bedos dont j'étais la plus proche dans cette interview de télé 2 semaines. Mireille Dumas évoque également son futur documentaire Les années Mireille Dumas. Elle y explique qu'elle a conçu ce film autour du thème de la famille en s'appuyant sur les témoignages d'une trentaine d'artistes et que ce n'est pas frustrant de ne pas proposer de nouveaux entretiens car elle trouve toujours formidable de leur redonner vie en les mettant dans une autre perspective. Par ailleurs, il m'arrive toujours d'en réaliser avec des artistes pour mes documentaires. Autre surprise, dans cette interview, Mireille Dumas dévoile avoir noué des liens particuliers avec certaines personnalités et plus particulièrement Guy Bedos. À son propos, elle déclare « Parmi les artistes, c'est la personne dont j'ai été la plus proche ». Mireille Dumas pense avoir contribué à briser bien des tabous en devançant l'évolution de notre société. Interrogée sur ceux qui la taxaient de voyeurisme, Mireille Dumas reconnaît également avoir souffert de leurs critiques et explique « Il s'agissait d'amalgames faits avec les reality shows des années 90 traitant eux aussi d'intime, mais avec une approche très spectaculaire ». Mireille Dumas en profite aussi pour revenir sur quelques moments touchants dans ses émissions, dont celui avec Jean-Louis Trintignant qui lui avait demandé de ne pas parler de sa fille Marie à propos de laquelle il s'était finalement confié. À lire aussi, c'est un été qui est quand même difficile, Mireille Dumas donne des nouvelles de la santé de Brigitte Bardot.